Nous avons cette année décidé d'organiser un petit repas entre nous, entre membres d'associations, entre les bénévoles. Donc ce repas qui a pour objectif donc, de vous remercier pour toutes les activités que vous permettez, que vous développez sur notre commune. C'est un club de jeunes. Ces associations, vous nous tenez à cœur en permanence. Si on vous avait pas à aise, on serait pas dans la même convivialité. On serait pas dans la même, dans le même amour. Je peux employer ce mot aussi, je suis désolé. Dans le même amour de l'autre. Vous faites un job extraordinaire. Vous faites vivre ce village. Et croyez-moi, vous avez votre municipalité avec vous. Aujourd'hui, vous êtes nos invités. C'est l'inverse, voilà, d'habitude vous travaillez tout le temps sur notre commune pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui c'est l'inverse, profitez-en bien. Voilà, à tout à l'heure. Santé les amis. Pour marrer un sauge de haze, des rochers là-haut, du plus haut. Ça, ça aromatise les saucisses. La société de chasse existe depuis 1936. On est à peu près 120 membres. On s'occupe essentiellement de chasser le sanglier, les problèmes que l'on connaît. Et il y a une partie des chasseurs de la société de chasse chasse le petit gibier. C'est une association qui nous permet, en travaillant toute l'année, des objets, du tricot, de la broderie, des confections d'objets, tout ça, qui nous permet à la fin de l'année de faire des dons à d'autres associations, genre Chien Guide, le Téléthon, les Paralysés, la Croix-Rouge. C'est un club de loisirs auquel nous faisons des jeux de société, qui est ouvert tous les mardis après-midi. Le but, c'est de réunir les gens. De réunir les gens qui s'ennuient chez eux. Alors, une main innocente plonge sa main dans le sac. Non, c'est toi, c'est pas toi, Pascal, qui plonge la main. Le numéro 5. Le numéro 5. 56. Super. Le numéro 29. On commence par les petits loups. Mais après, il y a les week-ends, la chèvre d'or, le capestel. Ah, ben oui. Non. Je trouve que c'est super parce qu'on est récompensé. D'abord, je remercie déjà la mairie, surtout Céline, Patrick, Sophie qui sont occupés de tout ça. Et je trouve que c'est super parce que bon, ça nous fait valoriser. Ça y est, tellement ému qu'il a oublié le ticket. Alors félicitations, hein. Merci à vous. Voilà, ben si s'achève la tombola.